Message du gouverneur du Congo central, Dr. Gibandou Ndoungidi, adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion de la journée commémorative à l'honneur des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ce 17 mai 2023. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents. En cette journée mémorable et historique dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo, conformément à l'ordonnance numéro 023/042 du 30 mars 2023 fixant la liste des jours fériés légaux, la population du Congo central et moi-même saisissons cette occasion pour vous rendre un hommage appuyé en vos qualités respectives des présidents de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, en reconnaissance de tous les efforts conjugués afin de construire une armée forte, puissante et respectable à travers le monde. Dans ce contexte particulier d'agression de la part des armées ennemies et de toute autre force négative, qu'il nous soit permis de saluer et d'encourager à sa juste valeur la bravoure de nos forces de défense et de sécurité pleinement engagées au service de la nation tout entière et de la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. C'est ici le lieu d'avoir une pensée pieuse pour ceux de nos compatriotes, hommes et femmes, sous les drapeaux, injustement fauché pour cause de la République dans cette quête de la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Nous associons donc nos prières en vue d'un repos mérité de leurs âmes. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, soyez rassurés que, s'agissant de la protection des personnes et de biens, de la formation des forces armées et du soutien à leurs opérations, chacun d'entre nous se sent plus que jamais convaincu de la mission qui est la vôtre de transformer le Congo mieux que vous l'ayez hérité et promet de s'y investir sans réserve. L'avenir de notre pays en dépend. Fait à Matadi, les 17 mai 2023, Dr. Gibandou Ndoungidi, gouverneur du Congo central.